Bonjour les amis, bonjour, bonjour. La fête, toujours la fête. Tamoun Pawet. C'est une sorte de rituel qui est toutes les années ici à Nissan. Et je vais vous faire découvrir un peu tout ça à ma façon. Et surtout à la façon de Lissan. Donc le téléphone peut chauffer aussi parce qu'il fait très très chaud, 34 degrés. Ça chauffe. Allez, c'est parti pour le défilé. Croyez-moi, il est très 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 long. Et on va ensemble découvrir tout ça. Alors là, c'est le début du cortège. Derrière, il y a d'autres personnes. Eh oui, il fait chaud. Franchement, il fait chaud. Alors, toutes les années, à la même période, on va faire ce rituel, on va dire. Parce que c'est un rituel, puisqu'on le fait toutes les années. Voilà. Donc, vous entendrez la musique, vous entendrez Eric Thailand et vous verrez. On va essayer de faire le maximum du cortège, mais il est très, très long, très, très long. Donc je me suis mis de cet endroit-là pour que vous ayez les meilleures images possibles. Surtout à la chaleur. Ah, voyage. Ah, le Lulu, il est là. Voilà, il est heureux. Ça va être grave. Les professeurs, je ne sais pas comment on parle en France maintenant. J'ai la voix cassée tellement que je me régale. Voilà. Alors, beaucoup sont des écoles, beaucoup sont aussi des villages qui représentent des endroits de cet endroit là qui est le temple, comme je l'appelle, c'est le temple poisson. Voilà, ça c'est un village. Voilà, quand il y
y a ces fêtes-là que j'adore. Les fêtes traditionnelles et authentiques, évidemment. Avec tout ce qui... Ah, ça va les cabrières, prima. Alors, c'est un cortège qui est très très long, hein, mon ami, ouais. Lulu. Il n'est pas fini encore, parce que juste c'est le début. Et après, il y a la sono, après, il y a la musique. Après, oh là là là. Il y a le téléphone qui tient pas le choc. Il fait trop chaud, mes amis. Eh oui, il fait chaud. On va se mettre à l'ombre, c'est pour ça que. Ah oui, oui, il y a celui-là. Voilà, ah ben, c'est pour montrer un peu. On va se mettre vraiment à l'ombre parce que il fait très chaud. Voilà, avec l'ombre du temple qui est juste derrière nous. Voilà, comme ça, le téléphone ne chauffe pas. On va dire qu'il chauffe moins. Un 17ème long. Mais pas là, il est. Voilà, quand il chauffe, il se met comme ça. Donc on se met vraiment, vraiment à l'ombre. Vous voyez, je suis dans un endroit aussi paradisiaque qu'on va découvrir aussi avec Lulu, qui ne connaît pas cet endroit-là. Mais aussi, vous viendrez avec Eric Thailand faire des excursions au temple Tongola. Ici, on est dans la région Tongola. Ce prénom-là, ce nom-là est vraiment important parce que le riz, de cette région où je suis, ça s'appelle le riz de Tongola. Et oui, chaque région a le nom d'un riz. Et il faut savoir une chose, Kasebisai, Banonsao, Wanponoi, Banowen, tous ces endroits-là qui sont tenants au Bengalo, eh bien justement, portent le nom de Tongola. Le riz, le meilleur de Thaïlande, c'est la marque Tongola. Donc quand vous êtes en Thaïlande, vous demandez le riz Tongola. Voilà. Bon, là j'ai lâché Lulu. J'ai bien dit j'ai lâché Lulu. Oui, je vais un peu trop vite là. Et Lulu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir les jeunes filles, il va faire des belles photos de ces personnes-là. Voilà. La prochaine main, je vous ferai aussi, pas que du live, je vous ferai aussi des vidéos pour que ça soit un peu plus net que ce que vous voyez d'habitude. Voilà. Je me demandais pourquoi Lulu est allé voir ces jeunes filles. Ça va les crabes. C'est normal. Voilà. La famille royale représentée ici. Ah, c'est les crabes. Ah ouais. Voilà, les Lucy. On le tient plus le Lulu, on le tient plus le Lulu. On va garder un peu de mémoire, voilà. Comme soi. Représentation, évidemment, quand vous voyez des pancartes comme ça, c'est représentation des petits villages. Un petit village, un autre petit village qui est ici, et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a une pancarte, c'est le nom de leur village. Voilà. Ani bois farang. C'est bois français. Ah. Oh. Ah, ça va les bois. Ah, yim. Donc, il fait vraiment chaud. Et croyez-moi, avec leur tenue ici là. Voilà. Oh, comme soi, maman. Ani si shampoo, si face, soi. Voilà, ce sont eux, les représentantes du peuple de Lisan, avec leur habit traditionnel. Ils vont danser le lam, comme on appelle. Et il casse un peu. Là, j'ai la température. Ah, il fait chaud, il fait chaud. Donc, ils viennent de Roued, là. Voilà. Il fait chaud, mon petit Lulu. Ah. Je suis heureux, moi, quand je vois ça et que je suis avec des personnes, eh bien, je suis heureux et heureux. Ça va les câbles. Donc, Lisan, les habits traditionnels de Lisan, c'est exactement ce que vous voyez là. Lisan, c'est ces habits-là, mais aussi pour les hommes. Ah, ça va les câbles, même pas là, il est tambouna. Oh là, au cas. Ça c'est un catalien. Ouais. Voilà. Dans les gènes, les belles filles. Voilà. C'est pas une fille là. Ah, c'est une fille.
Ah, c'est une fille. Lulu, tu t'es fait avoir. Donc, en handicateuil, c'est Lady Boy. Hein? Voilà. On retrouvera aussi ces cortèges-là au temple Tongola. Je vous dirai quand et comment et pourquoi. Voilà. Ouais. Alors, attention parce que Lulu, il prend des belles photos. Qui va me donner après. Voilà. On va vous montrer ça. Donc là, ce sont des écoles. Là, ce sont des enfants qui représentent bien sûr la famille royale. Et là, la jeune fille. Ça va, des bons loups. Mais quoi? Elle est belle, non? Ah. Très, très belle. Voilà, comme la mère. Elle est mère. Alors, c'est un grand cortège. Je vais vous faire partager tout ça. Voilà. Mais non, il m'y est lourd. Voilà. Et puis là, l'homme, Sabari. Ah, les Français, merde. Lam. Voilà, les demoiselles. Sawadi. Ils ont fait à peu près 1,5 km à pied. C'est comme ça la vie, on attendait que plus qu'on finisse, aïe. Ça s'appelle le gros lap. Le lap. Sawadikap, wani, tangan video live Facebook kiri kedai anda. Ani amper tunggulah.
Ah, comme au cap. On nous offre de l'eau à chaque fois, bien entendu, évidemment. Voilà, voilà. Ah, yim dit. Balou, c'était Blam, c'était Miaï, hein? Quoi? Bravo, bravo à eux, parce que préparation, voilà, les enfants de Lisan, représentation bien sûr de leur coutume, de leur tradition, avec cette beauté de ces habits, de ces chapeaux, de ces écharpes, aussi ces dormailles, ce qu'on appelle nous, et là, nous avons le ricagnon, et voilà, ça porte bonheur, ça porte vraiment bonheur pour nous. Il y a aussi ces fameux gâteaux, là, ici, voilà, les gâteaux de Lisan, il y a tout qui est représenté ici, avec les fameux, on va dire, allez, tissages de ces jolies, belles choses, voilà. Oh, j'en perds mes mots, franchement, j'en perds mes mots. Ça va, les gars? Non, franchement, c'est que du bonheur de voir ces choses-là. Voilà. Donc tout ce petit monde rentre dans le temple où là ils vont aller manger, ils vont aller boire, ils vont aller faire la fête et ils vont évidemment avoir les prières sacrées des moines qui sont dans ce temple-là. Et croyez-moi, ça va être très très joli. Donc le cortège est encore très très long, ça va être un long cortège. Alors ce que je ferai, c'est que bientôt je vais arrêter le live et je vais reprendre un autre live pour l'autre moitié du cortège. Voilà. Donc les habitants des villages sont là, sont aussi à l'intérieur du temple que vous voyez en face. Les chamans. En photo là, parce que ça c'est beau, c'est les chamans. Ça c'est un vrai chaman. Je vais aller le rencontrer tout à l'heure. On ira le voir ensemble. Voilà. C'est un vrai chaman, c'est pas une représentation par contre là. Voilà. Donc toujours avec le sourire, de moins en moins on a des masques et ça tant mieux. On peut voir leur grand sourire, le sourire de Lisan. Sacha. Donc j'arrête le live, je reprends un live derrière. La vecchia natale.